Donc là, en fait, j'essaie le la 3 et je suis malade, j'ai mal à la gorge, super. Là, c'est facile. Une fois que tu maîtrises le jeu, c'est facile. Oh putain, merde. Si je parle pas trop, il y a deux raisons. De 1, j'ai mal à la gorge. De 2, je me concentre. Putain de merde. Ce défi-là, j'adore l'appeler la coulante parce que à chaque fois que tu perds, tu cheats dessus en fait. Pute! Ça y est, c'est le moment. Là, le premier et le deuxième, c'est facile. Le troisième, pas trop. J'aime pas. J'aime bien, mais j'aime pas que je perde. C'est surtout le tunnel à la con là que je perds tout le temps. Alors je recherche pas le truc. La manière opti de le faire et tout. Moi je veux juste compléter. J'en ai rien à foutre des manières de speedrun et tout. Si je le fais, je suis content et puis voilà, quoi, basta. Ah putain. Ça sent pas bon déjà pour le lap 3. Est-ce que ça vous aussi ça vous le fait quand vous êtes malade? Genre vous avez de l'espèce de l'eau au fond de la gorge et c'est chiant quoi. Vous parlez, quand vous parlez, du coup vous parlez pas. Ou vous parlez comme ça. Voilà. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, on est fous tous sur le chemin. Plus rien à battre des ennemis là. Oh. Ça va sentir gros cette histoire. Je sais pas si je vais laisser le gameplay comme ça. Ou genre faire une vidéo montée, je sais pas encore. Là j'ai décidé de filmer mais je sais pas ce que je vais faire ensuite. Ça se trouve la vidéo je vais la supprimer. Ça se trouve on n'entend pas mon micro. On n'entend que le son de musique et tout. Ah ça doit être chiant. Ça y est, c'est la coulante. C'est le moment de la coulante. C'est, soit je la soit cette histoire elle va sortir le rosties, soit je vais gagner, je vais être hyper content. C'est un des deux, oublie pas. Et je crois bien que ça va sortir le rosties histoire. Pute! Allô? Je vous ai dit que c'était chiant. Ah bah là, vous allez vivre avec moi. Je sais même pas si j'ai craché son ordi ou pas. Ah là, une vidéo improvisée. Improvisée! Ah putain, con là! Gérard, t'as oublié de mettre le pastis. Putain, je fais quoi? Première fois que j'arrive à le faire comme ça, en courant. Ah putain. J'ai plus de pitié pour les ennemis là. Plus de pitié pour les croissants. Ah je tremble. Je tremble parce que j'ai froid et j'ai peur. La théorie de la coulante. Quand un jeu vous fait trop chier, vous chiez dessus. La théorie d'Unshine. Ah, la banane. La banane. La bonne de la banane, ça change de merde. Vache. J'arrive. La merde. Je vais appeler Thomas Sirix. Je vais appeler Thomas Sirix. Il va me fisquer tout ça. Il va me fisquer tout ce bordel. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais, bordel de merde? Thomas Pesquet. Oh. Ah, la coulante. La coulante. Voilà. Ah, putain. Ouais non c'est bon. J'ai pas d'appel.
Je pense que je vais monter la vidéo en genre en mode 2015, tu vois. J'ai la crève. Ce matin ça allait bien pourtant. Je suis allé en cours tranquille. Dès que je sors de cours, j'ai mal. J'ai mal. Je pratique le milieu de la coulante. Ah la coulante. Elle arrive la coulante. Faut dire que j'essaie de pratiquer depuis une semaine le lap 3. Donc au bout d'un moment ça commence à me casser les couilles quoi. Ah, ça y est la coulante. Elle arrive. La même pizza à la merde de champignons. Avec l'ananas. C'est vrai ça en plus. C'est la pizza du mal. Putain. Putain, j'ai réussi à la coulante. Ça fait une semaine. Une semaine. La coulante. Le P. Nique ta merde, pizza de merde là. Wow putain la coulante, j'ai réussi. J'ai réussi la coulante. J'ai réussi la coulante. J'ai réussi la coulante. Putain de merde, j'ai réussi la coulante. Je vais maintenant essayer d'appeler mon ami pour partager mon exploit comme un gros débile. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. Oh, d'accord.